Franchement, je kiffe la vue de ma baie vitrée. C'est un truc de fou. Regardez ça. On voit les petits poissons barboter et tout. Tranquillement. C'est juste super joli. C'est magnifique, franchement. Bonsoir tout le monde, c'est Jolate. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour la suite de Far Sky. Et souvenez-vous, la dernière fois, j'avais dit qu'on ne perdrait pas une minute et qu'on irait tout de suite descendre dans les abysses. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On est déjà équipé, on a des armes, on a des munitions, on a à manger, on a des bandages. Et bah c'est parti mon vieux, let's go. On va équiper cela, c'est parfait. Crac, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et du coup, on est parti dans le merveilleux monde de Far Sky. Et alors attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires qu'on peut, en fait, vous êtes même plusieurs à m'avoir dit dans les commentaires qu'on peut récupérer les extracteurs une fois qu'ils sont vides avec un marteau. Info, un tox. Info. Putain, bien vu. Eh ben, je savais pas. Merci de l'info. Eh bien, écoutez, on va tout de suite ranger ça. Non, je vais pas le ranger. Je vais le garder sur moi. Par contre, je vais juste ça. Je m'en fous. Je vais tout virer. La pierre, ça sert à que dalle. Eh ben, écoutez, je sais ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ramasser des extracteurs. Voilà. Et on va aller en placer en bas, dans les abysses. De toute façon, ici, ça sert plus à rien. Ouais, vous voyez, 1% d'iron. Donc, autant les déplacer. Par contre, ouais, je vais pas me blinder. Ça, tac, remove. Voilà, là, c'est pas mal. J'ai réorganisé un petit peu l'inventaire. Donc, c'est parfait. J'en ai pris 4 sur moi. C'est impeccable. On va descendre un petit peu dans les profondeurs, tranquillement. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà. Oh, putain, mon vieux, cette chute. Ce truc de fou, quoi. Ouh, laisse tomber. C'était par ici qu'on avait vu les Giant Octopus. Je m'en souviens. Bon, là, cette fois-ci... Je vous cache pas qu'on est équipé comme jamais, mon vieux. Un truc de fou. On a de la munition, on a tout ce qu'il faut. Oh putain. Oh putain, ok, d'accord. Ok, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tranquille, tranquille, tranquille. On va se les faire. Déjà, je vais prendre un extracteur. Je vais le mettre ici. Ce sera parfait. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. Ramenez-vous, les cocottes. Ramenez-vous. Ramenez-vous. Parce qu'en fait, ici, voilà, il y a de la. Il y a du truc bleu, c'est ça qu'il me faut. Voilà, crac, ok. Oh putain, je l'ai agacé, il est devenu rouge, mon vieux. Je l'ai super agacé. Voilà. Je sais même pas si... Je sais même pas s'il faut les tuer. Si ça donne de la viande ou quoi. Voilà. Oh putain, lui par contre... Oh! Je le nique, je le nique. Oh les bâtards, mais dégagez. Voilà, casse-toi. Oh putain, 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 attends, 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 attends. Oh les bâtards, les bâtards. Voilà. Laisse tomber, je suis en train de tous les niquer. Voilà, c'est bon. On va chercher le truc bleu. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Oh putain, mon vieux, comment que j'ai niqué tout le monde. Ce truc de fou, c'est quoi ça? Du copper, c'est pas le sujet. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, yes. Du cristal, ah bah non. C'est pas ça qu'il nous faut, mais c'est pas grave. On va mettre un extracteur ici. Ça c'est parfait, on va en mettre un là également. Ça c'est nickel. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer 2-3 petites boules comme ça là. Voilà, parce que ça, il nous faut des boules comme ça. Vas-y, voilà, fais péter les petites bouboules là. Voilà, yes. Putain, je suis en train de me gaver là. Mais un truc de fou là. Là on se gave, on se gave bien comme il faut. Ça se mange ça? Sûrement. Oui, je prends. Attends, je fais gaffe parce que je vais rameuter les requins du coin. J'ai plus d'extracteur. Si, j'ai encore un extracteur. Vas-y. On va poser un extracteur. On va le poser ici. Voilà. Comme ça, il prendra 100% de copper. Ouh, c'est quoi ça? Ah oui, un petit coffre. Voilà, ça je prends. Hop, donne-moi ça. Merci. Il y a un coffre là-bas. Je le vois dans le radar. On va aller le chercher tranquillement. Si on tombe pas sur des espèces de bestioles encore, des trucs de ouf quoi. Attends, ça c'est quoi? Ça c'est du copper hein. Ouais, c'est du copper. Il y a un coffre, il est où? Il est où? Il est dans le radar, je le vois. Je le vois, je suis dessus là. Il est là. Hop, vas-y, ça, 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 ça. Vas-y, je prends tout, yes, c'est bon. Après on pourrait descendre encore plus bas hein, mais ouais, ça va être chaud quoi. Je pense qu'on va tenter de ramasser des ressources pour se construire une petite base d'appoint ici. Ce serait pas mal. Bon, je vais faire le tour des extracteurs, voir ce qu'ils ont ramassé un petit peu. Voilà, 15. Je prends. Je prends. Ici, pareil. Et ici, pareil. Nickel. Bon, on va remonter à la base, les gens. Tranquillement. Du coup, attends, j'ai faim. Je vais manger ça. Voilà. Crac.
Et puis un petit bout comme ça. Voilà, voilà. On va tenter de remonter. Yes, on est arrivé, c'est parfait. Bon, déjà, ça, on va en faire ah, attends, je peux faire des trucs comme ça. Ça, on va en faire quelques-unes, des comme ça. Parce que ceux-là, voilà, ceux-là, ils vont bien péter, je pense. Ça, ça va être nickel. On va en faire également damage 5, damage 10. Ouais, pff, tranquille, quoi. Je vais voir si on peut se refaire un peu d'équipement. Non, je vais ranger tout ça dans les coffres. Voilà, du cristal, ça. Carotte seed, c'est quoi, ça se plante, ça? Attendez, bougez pas. Je vais aller voir ça en haut. Est-ce qu'on peut planter ça? Non? Bah non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais ramasser tout ça et on va replanter. Voilà, nickel, j'en ai planté partout. C'est impeccable. On va faire cuire un peu de bouffe avant de repartir. Ça se fait cuire les patates au fait? Ah ouais, ça se fait cuire. Excellent. Et puis c'est pas mal, moins 25%, ça nourrit vachement bien quoi. Ça c'est pareil, je vais tout bouger ici. On va bouger cette place. Voilà, parce qu'en vrai, ça a rien à faire là. Voilà, je vais les mettre là-haut. Crac, crac, crac. Et crac, nickel. Alors c'est bon, c'est cuit, impeccable. Ouais, j'en prends 22 sur moi, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On a ce qu'il faut au niveau de la fin. On va redescendre. Et on va aller voir ce qu'on peut faire. Attends, attends, attends. Attends, par contre, j'avais dit un truc. C'était ça, 50 iron, 2 or et un cristal. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, de l'or, j'en ai 4. J'en ai même plus que ça en fait. De l'iron, j'ai ce qu'il faut. Et cristal, normalement, j'en ai 2. Voilà, yes, c'est bon. Comme ça, on va se poser une petite base en bas, tranquillement. Voilà, yes. Crac, impeccable. Voilà, on va poser ça en bas, ça nous évitera de remonter à chaque fois pour respirer en fait. On descend, allez, let's go. On va descendre par ici, il y a un objectif là-bas en plus. On va y aller tranquille. Putain, ça, ça attaque, ça, ça attaque. On se barre, on se barre. Ça attaque méchant, ça. Tiens, casse-toi. Voilà, je fais gaffe parce que je vais rameuter ses potes. Putain, les bâtards. Vas-y, vas-y, je me casse. Oh, le bâtard. Il est où, il est où, il est où? Vas-y, dégage. Dégage. Il est où, lui? Casse-toi. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, putain, comment que j'ai eu chaud, là? Je vais mettre un bandage parce que je sais que j'attire le requin quand je fais ça. Voilà. Donc, il y a un objectif par là. On va aller voir ça. Putain, il y a un coffre ici à côté aussi. Je vais aller choper le coffre avant l'objectif. Voilà, normalement, il est par ici. Je suis dessus. Impeccable. Ouh, yes. Ça, je prends tout ça. Par contre, je vais manger un bout. On va se remettre de la santé. Voilà, impeccable. L'objectif, il est là. Ok, donne-moi ça. Ça doit être une nouvelle pièce du sous-marin. Je pense. 4 pièces sur 9. Et bah, c'est impeccable. Du coup, on avait posé un extracteur par ici. Qu'on va tout de suite aller récupérer. Voilà. Ouh, yes. Ça, c'est bon. Ça, par contre, j'en veux pas. Casse-toi. On avait posé... attends, je crois qu'on avait posé 2-3 extracteurs par ici. Hein. Ah, pas du tout. Je suis pas dans la bonne direction, en fait. Je les ai posés l'autre côté. Et bah, vous savez quoi? On va aller chercher les extracteurs, du coup. C'est par ici, c'est tout droit. Ok. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, casse-toi, où est-ce qu'il est? Voilà, dégage. Dégage, voilà. Yes, c'est bon, donne-moi ça. Oh, c'est quoi ça? Putain, il y a une espèce de lézard là, mon vieux. Je me casse. Normalement, je suis bientôt arrivé, les extracteurs, ils étaient par là, il me semble. Si je regarde sur la map. Ouh, attendez, attendez, attendez. Il y a du cristal, il y a du cristal. Je vais aller chercher ça. Putain, putain, il y a des pieuvres, il y a des pieuvres. Ils protègent le cristal. Vas-y, on va choper ça vite fait. Oh, les bâtards, les bâtards, les bâtards. Oh, ils sont agacés. Je me casse, c'est bon, ça y est, ça y est, ça y est, je me casse. Ok, donc là, c'est tout droit. Oh, putain, il m'attaque. Putain, il m'attaque, il m'attaque. Je vais manger un bout, je vais manger. Voilà, mange ça, yes. Attends, attends, dégage-toi. Voilà. Elle attaque. Vas-y, casse-toi. Putain, je suis en train de me faire attaquer de tous les côtés, là. Vas-y, je vais manger ça. Voilà. Je vais manger ça. Deux comme ça. Voilà. Attends, attends, attends. Par contre, pour eux, je vais équiper ceux-là. Ceux-là, ils vont faire plus mal. Putain, mais c'est pas vrai, quoi.
Vas-y, vas-y, viens. Ceux-là, ils font mal. Ah, ils font mal, ceux-là. Ceux-là, ça pique un peu. Un petit peu, quand même. On va mettre un bandage. Putain, mais laisse tomber, quoi. C'est ultra chaud par là. Tiens, toi. Voilà. Tiens, toi. Tiens. Tiens. Oh putain, je suis en train de niquer tout le monde, mon vieux. Je suis en train de niquer tout le monde. C'est un truc de fou. Ils étaient là, les extracteurs, ils étaient là. Voilà, ça c'est sûr. Je les vois dans le radar. Voilà, yes, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça, c'est ça. Voilà, je vais tout récupérer. On va se faire masse de copper. Ça craque, nickel. Ça craque. Voilà, nickel. Oh putain, j'ai plus de place ou quoi? Merde, j'ai plus de place. Vas-y, je vais manger ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre encore. On va descendre vraiment dans les abysses, mon vieux. Mais là, ça va être un truc de fou, hein. Là, je suis profond. Là, je suis à moins 275 mètres. Ma combinaison, elle résiste jusqu'à moins 350 mètres. Voilà, on va se mettre par là. Là, on est bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça là. Comme ça, on va respirer. Voilà, tranquillement. Putain, le truc, c'est que j'ai une grosse algue chez moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai quoi? Putain, je suis plein. Hein. On est plein de chez plein. Hein. Vas-y, je vais retourner dans la base d'en haut. Je vais retourner dans la base d'en haut. On remonte. Yes, impeccable. On est arrivé. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre ça là-dedans. Ok. Ça, on va mettre ça ici. Le cristal, pareil. Voilà, on va faire masse... Attends. Voilà, ça, je prends ça. Voilà, impeccable. Je vais faire quelques munitions comme ça. Voilà, c'est parfait. Et le reste, on va en faire des comme ça. Voilà, on va en faire vraiment pas mal. Voilà, yes, comme ça, c'est parfait. Là, on est blindé. On est bien, là. Par contre, c'est de l'iron. Je vais emmener de l'iron avec moi. Parce qu'on va aménager un petit peu la base d'en bas. Voilà, ça, je vais en emmener un petit peu. C'est nickel. Ça, je vais le prendre. Les extracteurs, on va les replacer un petit peu. Ici, il va être bien. Là, il prend quoi? Il prend 100% iron. C'est parfait. Ici, il sera pas mal. Ici c'est bien. Et ici c'est parfait. Yes. Nickel. Bon et ben c'est parfait. On va redescendre à la base. Tranquillement. On redescend à la nouvelle base. L'autre base quoi. Par contre elle est où? Attends. Où est-ce qu'elle est? Elle est... Ah d'accord, ok. Elle est en bas. Voilà. On va faire le grand saut. Elle est par ici. C'est le grand saut. C'est le grand saut mon vieux. Voilà. Donne-moi tout ça au passage. Je prends. Oh putain, vous avez vu, il y a des espèces de lézards ou quoi là. Je sais pas c'est quoi ça. Bah à mon avis ça attaque, c'est obligé. Ça je prends, la base normalement elle est juste en bas. Voilà. Putain mon vieux, ce grand saut quoi. Attendez, vous êtes sûr que c'était aussi bas là? C'était là? Putain c'est quoi ces machins mon vieux? Là je vous le dis, on est vraiment dans les abysses là. C'est un truc de fou quoi. Attendez, elle était là la base? Ouais elle est là. Elle est là, elle est là. Putain c'est quoi tout ça? Ouais je ramasse, vas-y. Du jelly. Ça c'est quoi? Je ramasse, ça donne aussi du jelly. Merde, il y a des octopus qui se baladent. Vas-y vas-y remonte. Merde. Remonte. Oh putain, puis je l'ai super bien placé la base quoi. Je peux pas la récupérer bien sûr. Bah non. Ce serait trop simple. Je vais agrandir un petit peu ici. On va faire ça. Voilà. C'est nickel. Parfait. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Voilà. Et voilà. J'ai tout là hein. J'ai pas de four par contre. Ouais, ça me manque un four. Bon, c'est pas grave. Ah bah je peux en faire un four ici. On va faire un four. Nickel. Voilà. On va agrandir un petit peu ici. On y verra déjà un peu plus clair. Voyez-vous? Bon, ça fait comme une grosse plante un peu en plein milieu du salon. Mais c'est pas grave, c'est parfait, j'aime bien comme ça. Voilà, c'est parfait comme ça. Là, c'est mieux déjà. Est-ce qu'on peut se faire un petit coffre? Oui, bien sûr. On en fait un tout de suite. Je vais mettre tout ça dedans. Là, déjà, c'est pas mal. Oh, non! J'ai effacé quoi? Oh, putain! J'ai effacé un stack de munitions. C'était pas là-dessus que je voulais appuyer. C'est pas grave, je vais en refaire. Voilà, bon bah j'en ai pas autant que tout à l'heure, mais ça fera l'affaire. Bon écoutez les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Far Sky. En tout cas, c'est plutôt cool parce que là maintenant on a une petite base d'appoint dans les profondeurs des abysses. Histoire de se mettre bien. Si la vidéo vous a plu et si vous voulez voir la série continuer, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde.